vais vous expliquer comment faire une plantation pour obtenir un potager sur le Lego de Fortnite. Donc pour obtenir un potager, il vous faudra une plantation. Et pour obtenir une plantation, il vous faudra obligatoirement de l'engrais. Donc de l'engrais, vous allez les obtenir en nourrissant les animaux qui sont aux alentours. Donc pour les nourrir, vous leur donnez tout simplement des lierres que vous trouvez dans les buissons de citrouilles, etc. etc. Donc vous récoltez les citrouilles et quand vous cassez les buissons. Ensuite, vous nourrissez les animaux avec ce lierre et normalement, ils vont tout simplement donner de l'engrais. Donc principalement, hein, si vous allez tout près des animaux, ils en auront déjà lâché par eux-mêmes. Mais si vous en voulez plus pour en cultiver en illimité, vous avez juste à les nourrir avec du lierre. Donc vous leur donnez, vous les lâchez par terre et ils vont les consommer tout seuls. Et ensuite, ils feront caca et vous allez pouvoir récupérer l'engrais. Ensuite, quand vous avez l'engrais, vous allez devoir obtenir de la terre. Donc pour obtenir de la terre, il faudra une pelle que vous allez créer dans votre atelier, dans votre établi. Donc là, par exemple, la pelle qui est juste ici. Donc il vous faudra des tiges de bois et des planches que vous allez créer tout simplement dans votre scierie. Des planches et des tiges de bois avec du bois. Donc ensuite, quand vous avez votre pelle, vous allez creuser n'importe où. Hein. Vous vous équipez de la pelle, vous creusez n'importe où. Et là, vous allez obtenir de la terre. Donc ensuite, quand vous avez de la terre et que vous avez de l'engrais, là, vous allez pouvoir construire un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une passerelle cultivable. Donc avec cette passerelle cultivable, vous la placez n'importe où vous voulez, hein, dans votre petit village. Et ensuite, vous allez appuyer sur carré pour ouvrir la passerelle de terre. Et là, vous allez mettre vos graines pour les cultiver. Ensuite, vous allez devoir attendre une journée qu'elles poussent. Et au bout d'une journée, bah, vous allez pouvoir récupérer vos graines comme ceci. Et faut savoir aussi que ce que vous allez mettre dans la passerelle, donc là j'ai mis 43 graines, donc à chaque fois que je vais récolter, donc je vais récupérer du maïs, et ben ça me consommera une graine. Donc à chaque fois vous allez devoir remettre des graines pour pouvoir cultiver la ressource en question. Code créateur SCM.